Les voilà partis pour la quatrième. Le prix du ministère de l'Agriculture à 12,5 %. Prix Charles de Ginesté. Une course pour poulain de 3 ans. 2300 mètres à parcourir. Canterbury Aristo a pris un très bon départ, de même que Don Celso. Et tous deux passent en tête devant les tribunes. Milo de Candale est galopant en troisième position devant Shrek, qui est poursuivi par Coffee Time Pontadour à la hauteur de ce dernier. Évolue Don Tirso, sont poursuivis par Shamrock Pontadour. Shrek qui vient à son extérieur devant encore Milo de Candale, poursuivi en dehors par Coffee Time Pontadour, encore plus en dehors Don Tirso. Sont maintenant à 350 mètres du poteau. Shamrock Pontadour attaqué par Coffee Time Pontadour, devant encore Shrek et en dehors Don Tirso qui tente de se lancer à leur poursuite à 150 mètres du poteau. Coffee Time Pontadour attaqué par Don Tirso à l'extérieur et Shrek au centre. Aux abords du poteau, Don Tirso qui aura le dernier mot. La deuxième place sera pour Shrek devant encore Coffee Time Pontadour. Bravo Alexandre, un joli doublé. Oui, ouais, c'est un bon cheval. Hein. Aujourd'hui, il a beaucoup consommé. Il a fait beaucoup d'efforts dans le parcours. Je suis quand même venu gagner. C'est qu'il a beaucoup de qualité. C'est le meilleur anglo que vous avez monté? Oui, oui, j'en ai pas monté énormément, mais celui-là il sort de l'ordinaire. Félicitations! Félicitations Didré! Bravo, bravo, belle victoire! Oui, tout à fait, bah, c'est un cheval qui mérite. Bah, il a tout gagné, sauf en débutant, mais bon, voilà, c'est un bon cheval. Justement, qu'est-ce qui s'était passé selon vous en débutant? Oh, bah, je suis tombé peut-être un petit peu vert ce jour-là, et puis sûrement le gagnant devait être bon. Voilà, et puis c'est un cheval qui a bien progressé, et puis voilà. Et... Il a fait... Qu'on va revoir l'an prochain? Oui, oui, tout à fait, bien sûr. Bah oui, on va continuer. C'est le meilleur anglo que vous ayez entraîné? J'ai demandé tout à l'heure la question au jockey. Non, non, non. J'ai eu justement sa mère, Donna Carmen, qui était toute bonne aussi, qui avait eu le Grand Prix des Pouliches, qui avait gagné pas mal de courses aussi, qui était presque invaincu dans les 3 ans comme Don Tirso. Après, j'ai eu Maruti, Madame la Marquise de Moratala, et voilà, elle a eu de très bons éléments. Et vous avez eu les frères aussi de ce cheval-là? Oui, tout à fait. J'ai eu Don Simon, j'ai eu Regality qui a fini étalon, qui était très bon aussi. Voilà, quoi, c'est une très bonne famille. Bravo, félicitations. Merci.